L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer. Comment ça, pas facile? Laisse, j'arrive très bien à le lire. Moi, je ne comprends vraiment rien. Le pirate a tout simplement écrit « Il faut suivre les flèches ». Il faut suivre les flèches. Georges a trouvé le deuxième indice, des bâtons en forme de flèches sur le sol. Regardez, elles vont dans cette direction. Peppa et Georges suivent les flèches qui sont par terre. Regarde, Georges, il y a une clé. Peppa a trouvé un nouvel indice. Félicitations, Peppa. Maintenant, il faut que tu découvres quelle boîte elle peut ouvrir. C'est là que se trouve le trésor. Comment je peux faire? Il n'y a plus d'indices. À mon avis, tu devrais mieux regarder ta carte. Tu vois ce qui est dessiné ici? Ce sont deux grands pommiers. Oh, il y en a ici, mamie. Et là, un autre. Ça veut dire que le trésor est juste entre les deux. On va bien voir. Ah. 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 Eh non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Attendez, j'ai trouvé quelque chose. Waouh, c'est le coffre au trésor. Et c'est moi qui ai la clé pour l'ouvrir. Ça alors, c'est incroyable. Vous avez vu toutes ces pièces d'or? Ça doit valoir une fortune. Mais non, voyons, c'est mieux que ça. Ce ne sont pas des pièces en or qu'il y a dans ce coffre. En fait, ce sont des pièces en chocolat. Et il y en a suffisamment, tout le monde va pouvoir en profiter. Wow. Peppa et Georges raffolent des pièces en chocolat. Toute la famille raffole des pièces en chocolat. Papi, mamie, c'est la plus belle chasse au trésor de toute ma vie. Il neige aujourd'hui. Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui. Il faut vous habiller chaudement. Merci. Maman a raison. Allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants. Il fait très froid dehors. Peppa et Georges vont mettre leur bonnet, leur écharpe et leurs gants. On y va, Georges. Peppa et Georges laissent des empreintes de pas dans la neige. Peppa et Georges aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux. Oh, oh là là! Arrête de rire, c'est pas drôle. On va s'amuser à lancer des boules de neige. Peppa a fait une boule de neige. Peppa et Georges s'amusent beaucoup. Georges, petit coquin, reviens ici. Ouh là là, la boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse. Pardon, Georges. Vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à poings fermés. Oui, c'est curieux ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Le jardinage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Rose. Oh, quelle chance! C'est mon émission préférée. Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec.
Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges. Cela donne de la vigueur au rosier. Mamie Pig. Peppa, Georges, vous devriez être au lit en train de dormir. Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout. Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous? Oui, nous allons tous regarder la télévision. Ça va peut-être vous aider à vous rendormir. Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau. En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril. Oh, elle est pas amusante cette émission-là. Oh, Papy Pig, on peut jouer à un jeu? C'est lui où tu nous lances très haut en l'air. Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun. Oui. Tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant. Au tour de Georges à présent. Oui. À mon tour. Oui. Plus haut. J'ai l'impression que papy est fatigué maintenant. J'ai une idée. Mamie Pig, si on joue à un chat. C'est toi le chat. Essaye de nous attraper. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est très gentil. Merci, Peppa. Tout le plaisir est pour moi, Teddy. Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Dinosaure. Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau? Non merci, on n'a plus faim. Comme ça, Peppa et Georges pourront tous le manger. Je te remercie, Teddy. Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison. Maman, on a entendu un bruit dehors. C'était le tonnerre, Peppa. Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage et beaucoup de pluie. Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber. Oh, inutile de se presser. On a encore du temps devant nous avant qu'il pleuve. Le ciel devient de plus en plus sombre. L'orage va bientôt éclater. Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin. Dinosaure! C'est bien. Monsieur Dinosaure est en sécurité. Teddy! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé. Ne t'inquiète pas, Peppa. Papa va aller sauver ton Teddy. Dépêche-toi, Papa Pig. Il va bientôt pleuvoir. Ne t'inquiète pas, Maman Pig. Je m'y connais en orage. Il ne va pas pleuvoir avant des heures. J'avais raison. J'avais largement le temps avant la pluie. Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde. Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher. Pauvre Teddy. Et voilà, Teddy, tu es tout sec. Que genre je mangerais des légumes si on les préparait en salade, une belle grosse salade. Oh, des tomates, une laitue et un concombre fraîchement cueilli. Maintenant, il faut bien les laver. Peppa et Georges aident Mamie Pig à laver les légumes. Je crois qu'ils ont été suffisamment lavés. Mamie Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre. Papy Pig, c'est l'heure de passer à table. À table! Mamie Pig a aussi préparé une pizza. Qui veut manger de la salade? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de papy. Allez-y pendant que c'est chaud. Georges a fini sa part de pizza, mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre. Oh non, Georges, tu n'as pas l'air d'aimer la salade. Non. Georges, tu devrais au moins goûter la tomate, elle est délicieuse. Burk. Georges,
Regarde ce beau concombre. C'est Papy Pig qui l'a cultivé dans son potager. Burk. Tu devrais manger cette laitue, Georges. Elle est bien croquante. Oh non, arrête, Georges. Regarde ce que je suis en train de fabriquer. Tu vois, c'est un dinosaure. Dinosaure. Georges aime énormément les dinosaures. Maintenant, Georges mange la tomate, la laitue et le concombre. Félicitations, Georges. C'est d'accord. Puisque vous insistez, je vais vous raconter quelque chose. Si papa vous raconte une histoire, vous devez nous promettre de dormir. On vous le promet. Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire de la princesse fatiguée. Tu es sûre qu'elle est bien, cette histoire? Elle a l'air drôlement ennuyeuse. Ce n'est pas ennuyeux. Ça te plaira beaucoup. Est-ce que ça parle d'une vraie princesse? Peppa, si tu continues d'interrompre Papa Pig, il ne pourra jamais commencer. Pardon, maman. Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, papa? Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse. Une princesse fatiguée. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien... Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. C'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau, comme moi. Peu importe, il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure. Un dinosaure? Oh, oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, Georges, non. Je suis content que l'infirmière soit là. Est-ce que tu arrives de l'hôpital? Je suis pas une vraie infirmière. Je fais seulement semblant. C'est très réussi. Ça alors. Regardez qui est là. Je suis un pirate. Paré à l'abordage. Miaou. Je suis la sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Hey. Moi, je suis un clown. Ça, c'est drôle. En quoi es-tu déguisée, Rebecca? Je suis une carotte. C'est formidable. Entrez, il y a une princesse magique et un dinosaure qui n'attendent que vous. Bonjour les amis. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy, je suis la princesse Peppa. Tu dois t'incliner devant moi pour me parler. Bonjour votre majesté. Je suis une infirmière. Maintenant, ouvre la bouche et dis « Ah !» Nay. Je suis un clown. Fais quelque chose de drôle. Rebecca, pourquoi tu t'es déguisée en carotte? Parce que j'aime les carottes. Dinosaure. Oh, j'ai eu peur de ce gros dinosaure. Peppa s'admire devant la glace. Miroir, miroir, sois sincère. Qui est la plus belle princesse sur Terre? C'est toi, princesse Peppa. Bonjour, Peppa. Bonjour, je suis déguisée en princesse. Je suis une sorcière. Miaou. Je possède une baguette magique. Mais moi aussi, j'ai une baguette magique. Moi, je peux te transformer en grenouille. Moi aussi, je peux te transformer en grenouille. Ah. Dinosaure. Oh là là, Georges a peur de son propre déguisement. Oh, voyons,
George. Ouais. Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace. Et on verra la petite fée. La fée d'Andelay est en retard. Oh. La fée d'Andelay met beaucoup de temps pour venir. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée d'Andelay? Quel est ce bruit? Est-ce que c'est la fée d'Andelay? Georges, tu entends quelque chose? Oh, Georges! Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit. Il était si fatigué qu'il s'est endormi. Pauvre Georges, il est trop petit. Il ne peut pas veiller toute la nuit. Mais moi, si. Moi, je vais rester éveillé. Je vais voir la petite fée. La fée d'Andelay est arrivée. Mais Peppa dort profondément. Bonsoir, Peppa. Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait? Quelle ravissante petite dent toute propre. Merci, Peppa. Fais de beaux rêves. Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure. Déjà? Moi, je n'ai pas dormi. Est-ce que tu as vu la fée? Non. On va quand même regarder sous ton oreiller. Oh, regarde, Peppa. La fée d'Andelay est passée. Elle t'a déposé une pièce. Youpi! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée. Oui, je crois que je me suis endormie 5 minutes. La prochaine fois, je resterai éveillée. Et je suis sûre que je verrai la fée d'Andelay. Je n'ai pas le droit de sortir. Et le docteur m'a fait prendre un médicament qui était vraiment très très mauvais. Bon, alors je vais venir te voir. Mais je vais mettre mon costume d'infirmière. Suzy est venue rendre visite à Peppa. Suzy a mis son costume d'infirmière. Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venus avec elle. Bonjour, Peppa! Bonjour! Tu es fort malade? Non, pas trop, mais je me sens pas très bien. Et je n'ai pas le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange. D'accord! Peppa a l'air de bien s'amuser. Merci beaucoup, Suzy. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, un peu. Danny, tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace? Dis, Rebecca, tu veux pas m'apporter des fleurs? Il y en a dans le jardin. Docteur Brownbear est revenu voir si Peppa allait mieux. Oh, bien, l'infirmière est déjà là. Alors, comment va notre patiente? Je ne suis pas une vraie infirmière. Je fais juste semblant. Oh, je vois. Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil? Oui, bien sûr. Oh, oui. Les boutons ont disparu. Tu es complètement guérie. Je ne suis plus du tout malade. Comment tu te sens? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit. J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin. Qui veut venir avec moi? Moi aussi. Mais regardez ça, c'est ce que j'appelle être tout à fait guéri. Est-ce que c'est Papa Pig qui a la carte entre les mains? Oui, il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Je vais t'expliquer le chemin. Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment, vous verrez le château sur une colline. Merci beaucoup, papy. Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux quatre vents. J'en étais sûr. Regardez, on dirait un château là-haut. Oui, c'est lui, c'est le château aux quatre vents. Vas-y, Babel. Allez, petit patouf, tu peux y arriver. Youpi!
Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents. Oh, comme il est grand! Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau! Regardez cette vue! Maman, c'est la maison de mamie et papy? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder. Waouh! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand. Je peux voir papy et mamie. Regarde, Georges. Mamie Pig, papy Pig. Georges leur fait des signes de la main. Pas la peine, Georges. Mamie et papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour. Attendez, on va les appeler. Allô? Papy et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit. Faites-nous un signe. Mamie et papy nous font des signes de la main. Moi, j'adore les châteaux. Venez par ici. J'arrive, papa. Papa, je suis la reine Peppa. Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler. Oh, je regrette profondément de vous avoir offusqué, Votre Altesse Royale. Quelle est votre fonction? Je suis votre papa. Cela doit être intéressant. Oui, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes dans quelle salle ici? Eh bien, nous sommes dans la salle du dinosaure. La salle du dinosaure? Georges, on est dans la salle du dinosaure. Dinosaure. Mais il est où le dinosaure? Il n'est pas très loin de vous. Je ne vois rien du tout. Il doit vraiment être minuscule. Bien au contraire, Peppa. Il est gigantesque. Oh! Ouh là là! Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure. Dinosaure! Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure. La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges. Moi, la salle que je préfère, c'est celle du roi et de la reine. Et moi, j'ai l'impression que Papa Pig vient de trouver la salle qu'il aime le plus. Ah, et c'est quelle salle, maman? Celle où l'on trouve des pâtisseries. La salle préférée de Papa Pig est la cafétéria du musée. Venez, asseyez-vous. Cette salle. Je n'en ai jamais mangé de si bon. Y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères. Ils sont exactement pareils. Comment ça, pareil? On est très différents l'un de l'autre. Peppa, Georges et moi, on prépare un spectacle de marionnettes. Excellente idée. Appelez-nous quand vous serez prêts. Un spectacle de marionnettes, c'est sympathique. J'ai le temps de reprendre les spaghettis? J'en veux bien encore un peu, moi aussi. Le spectacle va bientôt commencer. Bonjour, je m'appelle Chloé. Moi, je m'appelle Peppa. Ah, un dinosaure! Un méchant dinosaure! Eh bien, ils sont excellents! Bravo! Je suis l'oncle Pig. Bonjour, oncle Pig! Bonjour, Peppa! Ho, ho, ho! Oh, c'est exactement toi! À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros. Ho, ho! J'ai bien mangé aujourd'hui. Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir? Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort. Qu'est-ce que tu me racontes, là? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant. Comme ça. Oh, oh, oh. Ton papa a raison, je ronfle comme ça en général.
Oh, Papa Pig, tu vois qu'il ne fallait pas parler de ton frère de cette manière. Ce n'est pas grave, de toute façon, Papa et Oncle Pig n'ont rien entendu. Papa et Oncle Pig se sont endormis. Pas de doute, ce sont vraiment des frères. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le spectacle a déjà commencé? Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit. Je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa. Papa, là tu as les pédales. Et là, ce sont les freins. Et ici, la sonnette. Oui, oui, merci Peppa, je sais. Au revoir. Simple comme bonjour. Il faut faire des efforts pour garder la ligne. C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pédaler. Papa va beaucoup trop vite. Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir. Ah, les freins ne sont pas assez puissants. Au secours! Papa Pig n'est toujours pas rentré. Maman, pourquoi papa n'est pas là? Ne t'inquiète pas, Peppa. S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût. Sinon, il serait déjà là. Papa, qu'est-ce que tu faisais? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente, mais ensuite, j'ai dû la remonter en poussant le vélo. Oh, pauvre papa Pig. On pourra dire que j'ai fait de l'exercice. Oui, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo. Quoi? Oui, papa. Pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours. Oh, non! Ne t'inquiète pas, papa. Avec moi, tu ne risques pas d'oublier. Oui, ça, je n'en doute pas. Elle est grasse, cette huile, c'est dégoûtant. Vous en faites des histoires pour un peu de crème. Oui, on a tous besoin de crème aujourd'hui. Allez, Georges. On va mettre de l'air dans le bassin gonflable. Papa Pig gonfle le bassin en caoutchouc. Simple comme bonjour. Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Maman Pig ouvre le robinet. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Peppa et Georges s'amusent dans le bassin gonflable. Des glaces, qui veut des glaces? C'est Madame Rabbit qui vient vendre des glaces. Qui veut des glaces? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud. Maman, papa, on peut avoir une glace s'il vous plaît? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord. Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi? Tout le monde aime les glaces. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace? Est-ce que je peux avoir un cône, Madame Rabbit? Mais bien sûr que oui, Peppa. Merci. Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig, s'il vous plaît. À nous deux, mon petit Georges. Qu'est-ce que tu veux comme glace? Dinosaure. Un dinosaure? Arrête, Georges! Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question. Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur. Dinosaure! Georges? Touche tes orteils. Comme ça. C'est facile. Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver.
Oh, mais je ne fais pas semblant, Peppa. Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils. Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme. Je devrais peut-être faire un peu d'exercice. Oui, papa. Je vais commencer. Demain matin. Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui. Oh. Ne t'inquiète pas, papa. Je t'aiderai si tu veux. Bon, d'accord. Peppa, ce sera toi mon professeur. Par quoi je dois commencer? D'abord, il faut que tu fasses des tractions. Vas-y. Facile. Un, deux. C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine? Oui. Venez, les enfants. On va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa, tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Oh. Maman Pig, Peppa et Georges préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça maintenant. 10. Oui, j'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13, 14, et 15, et 16, et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vilain papa. Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit. Je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. À présent, le spectacle va commencer. Grand-mère est à la maison. Qui peut bien être ce visiteur? Je suis le grand méchant loup. Excellent, Danny! Oh là là! Danny a oublié la suite de son texte. Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire. Cache-toi dans l'armoire. Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa! Papa, t'as pas le droit de prendre des photos. Oh, c'est vrai, pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère? Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi. Des oignons. Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. Un, deux, trois, quatre. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste? Oh, oh, oh. Non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quel fruit
veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes? Une pastèque? Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! Une brique, s'il vous plaît. D'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques. Et voilà. Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre. Oh, 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 simple comme bonjour. Ensuite, Papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman. Papa Pig commence par laver Peppa et George. Puis Peppa passe l'aspirateur. Et Papa Pig nettoie ses outils. Maman. Maman Pig est revenue. Maman! Oh, maman est rentrée! Vite, faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh! Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà! Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Peppa, il fallait pas le dire. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Youpi. Peppa et George enterrent Papa Pig dans le sable. Faites doucement. Et voilà. Maintenant, tu ne peux plus t'échapper. Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil. Tu me donnes mon chapeau de paille? Oui, si tu dis s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi mon chapeau. Mais avec plaisir, papa. C'est parfait. Oh, je vais en profiter pour faire une petite sieste. Georges, on va faire des châteaux de sable. Peppa et Georges font des châteaux de sable. D'abord, on remplit les seaux avec du sable, comme ça. Ensuite, on met le seau à l'envers. Et on tape dessus. On soulève le seau. Et voilà le château. Peppa a réussi. Un château. Georges aussi a réussi. Peppa, Georges, c'est l'heure de partir. Ne laissez rien traîner sur la plage. Nous allons vérifier si nous n'avons rien oublié. Les serviettes, le sac de plage, le parasol et le ballon à pois. On a tout, maman. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Mais bien sûr, c'était le chapeau de paille. Papa, on allait oublier papa. Oh, oui, n'oublions pas Papa Pig.
qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Papa, on allait partir sans toi. Heureusement que Georges était là. Je te remercie, mon petit Georges. Non, merci beaucoup. Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig. Mais Georges commence à s'ennuyer. Excuse-moi, Papa Pig, j'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y va, Papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, Maman Pig. Au revoir, Papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Je ne suis pas Peppa, je suis Maman Pig. Et je vous présente Papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, Papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, Papa Pig. Moi aussi, je veux faire des grognements qui résonnent. Il y a de la glace pour tout le monde. De la glace? Peppa, Georges, il vaudrait mieux que vous ôtiez ces vêtements pour manger, ils sont trop sales. On s'appelle Maman et Papa Pig, pas Georges et Peppa. Tu en es sûre? Oui, sûre. Ah, eh bien alors, où sont passés Peppa et Georges? Je ne sais pas du tout. Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux parce que j'avais apporté leur glace préférée. Mais s'ils ne viennent pas maintenant... Ça y est, on est là. Georges, oh, vous étiez déguisés. Oui, maman. On jouait à faire semblant qu'on était papa et toi. Oh, oh, oh. On ne s'est rendu compte de rien, bravo. Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur. Tu veux que je t'aide à en faire? Je veux bien, papa. Tiens bien ton guidon. Attention, on y va. Et c'est parti. Tu me lâches pas, hein, papa? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa. Non, papa, ne me lâche pas. Oh, 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 oh. Vas-y, continue de pédaler. Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur. Mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule. Tu crois? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Youpi, j'ai ça en fait, regardez-moi sans les petites roues. Youpi, regardez, j'ai réussi, j'ai réussi. Mamie, Suzy, Rebecca, regardez. Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous. Regardez-moi. On fait la course jusqu'au potiron de papa. C'est parti. Peppa, attention à mon potiron. Cette fois, c'est moi qui gagne. Peppa ne regarde pas du tout où elle va. Oh, ah. Oui. Oh non. Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig. Pardon, papa, j'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron. Ne t'inquiète pas pour le potiron. Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal. Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas. C'est promis, je ferai attention. Très bien. Et maintenant que le potiron est en 1000 morceaux, je vais pouvoir faire ma tarte préférée. J'adore les tartes au potiron. Et comme celui de Papa Pig est particulièrement gros, il y en aura assez pour que tous tes amis puissent en profiter. Youpi! Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Oh, une guêpe! J'ai une peur bleue des guêpes! Va-t'en! Pourquoi t'agites-tu comme ça, Maman Pig? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi! Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois?
Il suffisait que tu restes tranquille. Hein? Tu vas t'en aller? C'est pénible. Oh! Au secours! Oh! Va-t'en! Faites-la partir! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste. Non, je ne pense pas. Ils courent beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non, on a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa! On avait promis au canard de le randonner. Oh. Vous avez beaucoup de chance, il en reste. Vous pouvez dire merci à Papa Pig. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Oh, oh. Il est temps de rentrer à la maison. Dites au revoir au canard, les enfants. Au revoir, petit canard. On reviendra bientôt. George est peut-être encore trop jeune pour en jouer. Papa, est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier? Il n'y a plus que cette corne. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais il faut que tu souffles très fort. La corne fait un son bizarre. Non, c'est impossible. Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer. Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça. Oh, 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 oh. À mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver. Comme moi, par exemple. Non, ce n'est pas beaucoup mieux. Oui, Peppa a raison. C'est absolument impossible d'en faire. Ce n'est pas grave, Papa Pig. Tu peux continuer à jouer de l'accordéon. Tu en fais tellement bien, mon chéri. Oh, oh. C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument, même si c'est prétentieux de le dire soi-même. Et moi, je vais jouer de mon violon. Et moi, je veux faire du tambour. Maman Pig joue du violon. Papa Pig fait de l'accordéon. Peppa tape sur son tambour. Et George, de quel instrument va-t-il jouer? George souffle dans la corne. Maman n'a pas été capable d'en jouer. Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Et c'est George qui y arrive le mieux. Mamie et Papy Pig ont un perroquet. Peppa, George, je vous présente notre perroquet. Il s'appelle Polly. Alors, Polly, comment ça va? Alors, Polly, comment ça va? Waouh! Je suis un perroquet très intelligent. Je suis un perroquet très intelligent. Maman, pourquoi est-ce que Polly répète tout le temps ce que mamie lui dit? Les perroquets font toujours ça. Je vais te montrer. Bonjour, Polly. Bonjour, Polly. Tu es vraiment un beau perroquet. Tu es vraiment un beau perroquet. Vous venez, les enfants. Le goûter est servi. Peppa, George, venez. Il y a du gâteau au chocolat. On arrive, mamie. Peppa et George adorent les gâteaux au chocolat. Mais aujourd'hui, ils sont pressés de retourner jouer avec Polly Parrotte. J'ai fini. Je vois que vous êtes toujours aussi bruyant. Mamie, on peut sortir de table, s'il te plaît? On voudrait retourner voir Polly.
Bien sûr, mais vous ne voulez pas reprendre un morceau de gâteau? Alors allez-y. Merci, mamie. Allez, Georges, dis quelque chose à Polly. Georges est trop timide. Bonjour. Bonjour. Peppa et Georges s'amusent bien avec Polly Parrotte. Je vous présente mon petit frère, Georges. Bonjour, mon petit Georges. Tu as de la chance. J'ai toujours voulu avoir un petit frère. Ah bon, c'est vrai? Bonjour, je m'appelle Danny Dog. Est-ce que c'est un dinosaure? C'est seulement un jouet, pas un vrai. Dinosaure. Il est super. Dinosaure. Dinosaure. Oh, oh, j'ai eu une de ces peurs. Mais génial. Georges, c'est mon petit frère. Il est toujours génial. Peppa est fière de son petit frère. Et si on montrait à Georges comment on fait de beaux dessins? Oui, mais il n'est pas très beau en peinture. Eh bien, tu pourrais peut-être l'aider. D'accord, moi je suis bonne en peinture. Je vais lui montrer comment on dessine une jolie fleur. Voilà, Georges, Mademoiselle Gazelle veut que je t'apprenne à dessiner une jolie fleur. D'abord, il faut que tu dessines un grand cercle. Non, Georges, tu n'as pas pris la bonne couleur. Maintenant, on va dessiner les pétales. Mais non, tu n'as pas fait la bonne forme. Maintenant, on va peindre la tige et les feuilles. Tu as tout fait de travers. Bon, voyons un peu le résultat. Moi, j'ai peint un tournesol. Oui, excellent, Peppa. Et Georges, lui, il a peint un gros dinosaure. Dinosaure. Il est très beau. On ne fait pas comme ça, regarde. Oh, ça c'est ce que toi tu fais. Peppa est très maligne. Elle peut jouer avec le ballon de Georges. Georges, reviens, espèce de petit coquin. Peppa taquine peut-être un peu trop, Georges. Peppa, arrête de taquiner ton frère. Mais je ne le taquine pas, maman. Je lui apprends à attraper le ballon. C'est vrai? Eh bien, je connais un jeu très bien qui lui permettra d'apprendre. Ça s'appelle le cochon du milieu. Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas. Et toi, Georges, tu restes à ta place. Excellent. Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle. Et moi, je dois essayer de l'attraper. Je suis le cochon du milieu. Maman est le cochon du milieu. Attrape, Georges. Oh, je l'ai raté. Georges a attrapé le ballon. Bravo. C'était parfait, chérie. Maintenant, envoie le ballon à Peppa. Oh, réessaye. Oh, recommence. Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de Maman Pig. Dépêche-toi, Georges, envoie mal le ballon. Oh. C'est de la triche. Moi aussi, je peux passer dessous. Oh.
Peppa a voulu copier son frère. Mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de Maman Pig. Parce que je voudrais en manger plein au goûter. Ne sois pas si pressée, Peppa. Rentre tranquillement chez toi. Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier. Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier? Bien sûr. Allez, viens, Peppa. Au revoir, papy. Au revoir, petite crêne. Papy Pig s'occupe du fraisier de Peppa. Plusieurs jours après, Papy Pig découvre une petite plante. Jour après jour, la petite plante grandit. Un beau matin, Papy Pig a droit à une petite surprise. Des fraises. Papy, on est là. Peppa et George sont revenus jouer. Papy, papy, est-ce que ma plante a poussé? Oh oui, regardez-la. Oh, elle a des fraises. Merci, papy. Papy, est-ce qu'on peut planter d'autres choses? Bien sûr, mais c'est au tour de Georges de planter quelque chose. Oui, à ton tour, Georges. Choisis une carotte. Papy, je crois que Georges veut faire pousser une carotte. Georges, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte? Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser? Georges sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser. Dinosaure. Son dinosaure. Quel bêta. Ça ne pousse pas les dinosaures. Dinosaure. Youpi. Faites attention, il y a une grosse flaque de boue. Peppa et George adorent sauter dans les flaques de boue. Est-ce qu'on peut sauter dedans? S'il te plaît. Oh, non, vos affaires vont être toutes sales. Oh. Ne vous approchez pas, les enfants. Fais attention à toi, Papa Pig. Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Fais bien attention à toi. Il faut que tu avances encore un peu, papa. Papa Pig, tu ne crois pas que tu es un peu lourd pour cette branche? Mais non, voyons, ça va aller, je ne suis pas si lourd que ça. Voilà. Oui, bravo, papa. Papa Pig a réussi à récupérer le cerf-volant. Oh. Oh non, tout le monde est couvert de boue. Ce n'est que de la boue. Heureusement, Papa Pig ne s'est pas fait mal en tombant et le cerf-volant n'est pas cassé. Bravo. Maman, puisque nos vêtements sont tachés, est-ce qu'on peut sauter dans la flaque? Oui, mes enfants, bien entendu. Vous ne pouvez pas être plus sale que vous ne l'êtes déjà. Et puis, de toute façon, c'est papa qui va faire la lessive. Oh. Peppa et George adorent sauter à pieds joints dans la boue. Maman et Papa Pig aussi aiment sauter à pieds joints dans la boue. Toute la famille adore sauter à pieds joints dans la boue. Sauter à pieds joints dans les flaques de boue est tout aussi amusant que de faire du cerf-volant. Oh non, malheureusement il n'y a pas de dinosaure ici, George. On va aller t'acheter un ballon avec un dinosaure dessus. Mais Papa Pig, tu es sûr qu'ils vendent des ballons avec des dinosaures? J'en suis absolument certain. Est-ce que George et moi on peut se faire maquiller le visage? Oui, bien entendu. C'est Madame Rabbit qui a maquillé en tigre les amis de Peppa. Voilà, Suzy, j'ai fini. Tu ressembles à un tigre maintenant. Merci beaucoup, Madame Rabbit. Waouh, j'adore le dessin qu'il y a sur la figure. C'est celui d'un chat? Non, je suis maquillée en tigre. Peppa,
Est-ce que tu veux aussi que je te maquille? Je veux bien. Est-ce que je peux être maquillée en éléphant? Oh non, je regrette. Je ne sais pas comment on les fait, mais je sais dessiner des tigres. D'accord, un tigre, s'il vous plaît. Et voilà, Peppa, j'ai fini. Tu es un tigre maintenant. Je suis un tigre. George, qu'est-ce que tu veux comme maquillage? Dinosaure. Ah, un dinosaure. Si je te maquille en tigre plutôt. Je sais très bien faire les tigres. Je suis un tigre. Oui, moi aussi. Miaou. Les tigres ne font jamais waf waf. Ah bon, comment tu le sais? Parce que les tigres, ce sont des gros chats. Miaou. Et moi, je suis un chat. Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre? Si tu veux. D'abord, les tigres, ça avance doucement, sans faire de bruit. Et ensuite, ils sautent. Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent. Vous êtes là, les enfants. Oh, et ben ça alors, vous êtes tous transformés en tigres. Oui, et moi, je suis en train de leur apprendre comment font les tigres.